cherches quelque chose? Moi? Non, pourquoi? Je me demandais, t'as fait du rangement récemment? Non, mais j'ai donné un carton de vieillerie à un brocanteur de passage. Il y avait quoi dedans? Une bouillarde cabossée, deux tasses dépareillées, une paire de moufles, des fringues et une vieille peluche pourrie qui pue. Acrylique! Comment je pouvais savoir que t'avais encore un doudou à ton âge? Un vrai copain, ça se garde toute la vie. Non mais Hubert, c'est juste une peluche! Tu comprends pas, hein? Acrylique et moi, c'est une grande histoire. Je l'appelais comme ça parce qu'il avait une étiquette 100% acrylique. On était toujours ensemble, c'était mon confident. Il me rassurait, il me consolait quand j'étais triste. Mais moi, je suis ton ami. Ça vaut pas tous les doudous du monde. T'as fait exprès de te débarrasser d'acrylique parce que tu me voulais pour toi toute seule. Hubert, il est peut-être temps d'apprendre à vivre sans acrylique, tu crois pas? Je veux acrylique! Tu dois l'oublier. Bon, exceptionnellement, tu as droit à un doudou de substitution pour cette nuit. Je peux te demander un service? C'est indispensable d'être collé comme ça? Un doudou, ça se tient serré. Ouais, mais un doudou, ça respire pas. Ça parle pas non plus, sauf si j'en ai envie. Et puis tu sens pas le doudou. Il sentait quoi, acrylique? La vieille bave séchée. Ok, on va le retrouver. T'as honte à ce point-là? Certaines personnes peu ouvertes d'esprit pourraient se moquer. Je préfère éviter. Hubert, mais c'est terrible. Vous avez perdu votre doudou? C'est celui de mon neveu. Vous avez un neveu? Un peu, mon neveu. C'est un tout petit neveu, genre filleul par alliance d'un arrière-grand-cousin d'Amérique. Du sud. Je vous laisse, hein? Tu crois qu'elle s'est doutée de quelque chose? Hubert, t'as deux solutions. Ou tu te passes de ton doudou, ou tu assumes. Et la troisième? Acrylique! Bonjour madame, bonjour monsieur. Félicitations, vous avez retrouvé ce doudou égaré. Avec tous mes remerciements. Dites, vous pouvez lui demander de le lâcher? Police! Un malade veut voler le doudou de mon bébé! On échange. Il y a bien un truc qui l'intéresse, ce gamin. Bon, allez, là, ça suffit, hein. On va s'expliquer d'homme à homme. Perdu. Belle victoire d'Hubert sur un enfant de 3 ans. T'es fier de toi? C'est un gamin, il fait du cinéma. C'était son doudou. Il a pas eu le temps de s'attacher vraiment. Les coups de foudre, ça existe. Tu sais, Hubert, nous autres, les doudous, on est faits pour vivre avec les enfants. On a passé de super moments ensemble. Mais t'es un grand cochon maintenant. Peut-être que je serai plus à ma place avec ce petit garçon. T'es quoi?
J'en suis sûre. Et puis, pour les coups durs, tu pourras toujours compter sur ton ami Takako. T'as raison, Acrylique. Le moment est peut-être venu. Son petit nom, c'est Acrylique. Prends-en soin. L'amitié, ça s'entretient. Hubert. Doudou. Ah, oh, Doudou. Doudou. Ah, oh, Doudou. Ballon, 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 ballon. Non, c'est vrai, quoi. Il faut savoir grandir. À chaque âge, c'est plaisir. Et puis, t'es là si j'ai besoin de me confier. Jennifer, que me vaut le plaisir, chère amie. Je l'ai trouvé dans la rue. C'est votre doudou, non? C'est-à-dire que... Vous êtes tellement sensible. C'est trop mignon. Jennifer a un faible pour les grands garçons avec des petits doudous. Elle est parfaite, cette fille. Ah! Elle a lavé mon doudou!